Et c'est parti mon kiki, on va se refaire un petit Sea of Thieves. Il y a une mise à jour. Haute mer. Non. Ah, la guilde. Ma petite guilde, je suis avec Zach et un autre de mes fils mais qui joue pas. Donc avec nous deux, Zach, moi j'ai 9 bateaux. Ça c'est les deux de Zach. Et tous les autres, celles sont les miens. On va prendre la barbe à papa. Barre à papa, donc tout nouveau. Page de guilde. Let's go. Levez l'ancre. C'est parti. On va essayer de faire un marchand. Il me manque une quête à faire pour avoir le niveau 50. Un des succès de marchand. Je suis avec les épaves, les pillages d'épaves. On va essayer de le faire. On va faire ceux du Forsaken, c'est de Devil's Roar, c'est plus rapide. On va partir en plongée. Ah, Sanctuary. Regardez, tiens, s'il n'y a pas une épave dans le coin. Tellement de choses à faire dans le jeu que. Je fais comme marchand. Ah, déjà le temps peut être. Le marchand. Bon. Ah, il y a un sloop là-bas. On va plonger, on va quitter le serveur. Sportif. Je fais ça pour le fun. Tac, tac. Most adventurous of expeditions. I'm searching for a specific skull. That's why I've asked multiple crews to embark on this voyage. Just be aware. Voyage. Marchand, on est en retard. Ah, les orbes des âmes aussi. On va quand même faire d'abord le marchand. Cargaison perdue. Direction descendre et plonger. Voilà. Ah, il n'a pas bougé. Ah, j'ai pas levé l'ancre, mec, le con! D'habitude, je le fais directement quand je monte sous le bateau, j'ai oublié. Ah! Trop marrant. De nous. Ah. J'avance pas, chef! Si vous leviez l'ancre, ce serait mieux, mon ami. Ok, capitaine. Mais quelle ancre? Ancre de Chine? Alors. Ouais. De toute façon, on va en haute mer, on va plonger, ouais. Et après, j'ai des poches, ouais. Faut chipoter. Je dirai plus tard si besoin. Si je reste longtemps sur ce bateau. Un réflexe qu'on fait les mines. Hein. Allez, ça va faire plouf plouf. Ça y est, petite musique. Bing bing. Ça fait drôle, hein. Ça fait drôle quand même. Va-t-on immerger dans les Devil's Roar, mon ami? Allez, on est tout fait vers le niveau 50e. Oh, c'est manifeste, ouverture de porte. Donc, je crois que c'est manifeste. 50e manifeste à vendre. Pas le temps de les vendre plus tard, on va sortir. Ah, ils cherchent quand même longtemps là. Épuisement.
44, 49. Trouver 50 manifestes de navires, c'est celle-là. Grade 5, il m'en manque plus que 1. Par contre, là, j'ai eu des bugs de clés, alors j'ai pas pu ouvrir chaque fois. Il y avait un bug avec les clés. Ah ouais, c'est long à trouver un voyage, là, c'est bizarre. D'habitude, ça part direct, là, c'est très bizarre. Je peux regarder une épave. Bon, je demande pas l'impossible, hein. Je demande juste d'aller dans Forsaken, dans Rose Peak. Je crois pas, c'est la première fois que ça dure si longtemps. Bugué. On est sous l'eau. Oui. Ben, en sous-marin finalement, hein. Bizarre. Okay. On trouve pas de serveur, les amis. Vous pensez qu'on fait en comment? C'est buggé. Ils ont buggé les quêtes. Qu'on passera jamais. On va retenter. Ah, ils ont buggé les quêtes, c'est pas. Ça marchait bien. Par contre, de temps en temps, il n'y a pas la clé. Parlons ça. Oh, qu'est-ce que tu veux que je dise? La jolie poupée. Oh, jolie poupée. C'est du quoi ça? Dome d'ordre? Oh. On commence. Oh, mon navire va être occupé. Il est disponible. Bah, t'as vu, il est déjà disponible, c'est incroyable. On est reparti. Allez. Succès sont désactivés toujours. Bon. On va l'avoir quand même. Hein. Les yeux qui brillent, la malédiction sur des sirènes. Ah oh, ben voilà, un peu plus connecté les gars. Ouais, je dis ouais, la précédente. Je vais voir si je récupère ma session précédente, mais ça semble bizarre ça. Hein. C'est mal barré les gars. Ah, ils ont fait un patch et c'est pire qu'avant. On est super buggé. Tu vois, là, elle est jolie, la grenouille, la lampe grenouille. Je l'ai obtenue. Mais quand tu la prends, tu vois rien parce que tu la vois de dos. Tu vois qu'un rond vert moche. Donc, ça vaut pas la peine. J'ai repris une jolie lampe à la place. Par exemple, celle-là. C'est plein. Mini plein, quand même. Par les asticots. Ah, je suis revenu à Sanctuary. Ah oui, il m'a remis dans la même. Ah, il y a un fort de fortune qui a popé. Je vais pas faire ça. J'ai pas fait un seul. Pas fait un seul. Faire ça tout seul, ça sert à rien. Oiseau, quoi. Le caca attire les mouches, ben ça, c'est la même chose. Même jeu. Qu'est-ce qui a changé? Ah, mais je suis sur Sanctuary. Pourquoi il y avait un mec qui était par là? C'est le même serveur. Où il est passé? Ouh, mec, t'es où? Papa, où t'es? Je vais relever l'encre parce que tantôt j'ai oublié. Le mode furtif. Application sur la carte. Oh, il y a un méchant là-bas. Okay.
J'active mon goal, mon marchand, moi. Faut activer le marchand, les gars. On m'avait rien dit là. Faut activer le marchand. Oh, tout le monde fait marchand. On est trois marchands. Ah, c'est reparti. Par au large. On fait marchand là. Je vais taper la quête. Y'a rien si je vois pas. C'est pas rien. C'est bizarre. Voyage, marchand, recommence. Cargaison perdue. Forsaken. Pardon. Bah, plongée. De poche. Ah, j'ai pas activé le trou du cul. On peut pas quand il plonge. C'est juste trop tard. Quoi, c'est peut-être ça qui m'a bugué tout à l'heure. C'est ça qui m'a bugué tout à l'heure. On va voir si on sort de l'eau cette fois-ci. Là, c'est bon, ça, hein. L'écran noir, ça veut dire qu'on sort de l'eau. Ouais, tantôt, c'était bien buggé. Ah non, par contre, si on sort. Ouh. Ah, on pique ou pas? J'ai eu peur. Ah, mais y'a plus le truc. Un mort au pic. Attendez, parce que là, j'ai pas été voir. A priori, y a pas de Reaper. Ça peut changer n'importe quand avec les plongeons. Donc, on va regarder. On va même pas regarder la carte. Hein. Parce que c'est ça, quoi. Allez, quand même. Galéon de greffe, le joyau de la couronne. Pugnette du baron, de la baronne. Un truc qui flotte là. Parce que vous avez la clé. Si j'ai la clé, je vais direct à l'épave. Il y aura du temps, monsieur. Ça a pas l'air. Hein. Allez, stop. À gauche. Et derrière la vague. En gauche. Du reflet. Je vais voir parce que je suis pas sûr. J'ai peur de rater la clé. Des fois, on la voit pas bien. Je pense pas. Hein. Je pense qu'elle pas qu'elle sera là. Je l'ai pas vue. Mais... On vérifie tout près. Il n'y a pas de clé à rien. On s'en tape. Okay. Cinderitlet, c'est la petite ville plus loin. Au moment, elle est tout droit. Toujours la même chose. Hein. La quête ici, c'est toujours la même chose. L'épave, elle est près du tripas, c'est possible. Cinderitlet, c'est devant à gauche. Oh. Oh putain, il y a un mec là. Ah ouais, il vient de popper lui. Cinderitlet, à gauche, tu vois. Il y a un mec à Ancient Ancient Spire. Le plus petit à gauche. On voit même plus. Là. Ah ouais, il est carrément là-bas. Vraiment décentré là. Oh, il y a du brouillard. Oh les vagues, ils sont. Mal de mer, je viens de manger là. Mal au ventre. Ah, j'ai des crampes au ventre, puis bien je vois si on se hein. Raconte pas. Ça passe. Nul. Il y a une spec. Voilà.
Merde. Prendre mon gouvernail. Là, je me suis trop écarté de l'île. Trop vite, hein, relève, mec. Mais bon. Oui, les couleurs à cœur, comme ça. Bon. Ah merde, il y a des crabiers là. Oh, qu'est-ce qu'il y a sur l'île? Il y a des trucs, non? Des fantômes? Ouais. Du marchand sur l'île. Ouais, ça commence déjà à s'exciter. Dès que t'arrives, il commence à faire tchut-tchut. Pas possible. Regarde, il commence à s'exciter. À peine t'arrives, il n'y avait rien. C'était tout calme. Il n'y a même pas de bouffe en plus. Hein. On est par ici, alors sur le côté là-bas. Ouais, tout au bout. Bien sûr, tout au bout. Donne-moi la clé, s'il te plaît. Ah non, c'est un crâne, ça n'a rien à voir. Merde, ça n'a rien à voir en plus. Ah, je viens de passer un niveau dans. Le pass, je suis presque arrivé au niveau 100 du pass, hein. Je crois que je suis à 95. Le pass, passe au niveau. Ils sont où les trucs de marchands là? Une bruselette. Au bout là? Ah ouais, regardez. On n'a pas la clé encore. Oh merde. Je lis pas avec l'indice trouvé là. Chier, c'est pas lire. Fletcher Rest, oh merde, Fletcher Rest, ça c'est une grosse île, ça c'est un peu la merde. Pas de clé. Oh, ça la merde, Fletcher Rest. Oh là là, le mec près de la passerelle, grosse île avec des gros volcans. Ça pue, ça pue. Pas de tremblement de terre. Ouais, j'aime pas les volcans. On a pas de chance, hein. Vraiment, si vous avez la chance d'avoir la clé tout de suite, c'est magnifique, mais regardez, je sais même pas bien nager avec le tremblement de terre. Ça me freine. De fou, hein. Ah merde, mon bateau a tout reculé, regardez, j'ai encore le crâne là-bas que j'ai pas pu prendre. Mon bateau a reculé avec le tremblement de terre, hein, je vous le dis. J'ai un crâne là-bas. Regardez, faut que j'aille le chercher. Le tremblement pour bouger ton bateau, quoi. Il n'y a pas de volcan, mais ça tremble quand même. Bon, voilà, maintenant j'ai trouvé mon bateau. On arrive. Mes premiers trous. J'ai fait des aventures, j'ai pas pris un seul trou. Et là, ça y est, c'est parti. Deuxième trou. Allez. Ouais, sympa les gars. Tu restes. Ah, ils m'ont donné une super mauvaise quête, hein, je vous le dis. Tu restes, c'est là, le mec, il est là. Là, là, sur la passerelle, là. Faut aller au nord. T'as vu, maintenant j'ai fini. Voilà, le mec, il est calmé. Je fous ça, comme ça. Tac, tac. Nord. En plus, Fletcher, il est en repos, hein. Je vais arriver, il va s'exciter, tu vas voir. On a le vent de face. C'est le moment de faire un check-up autour de nous. Ah bah regardez, là-bas, il y a un brig. Brig là-bas. Il y a un brig... côté sud, sud-ouest. Là, okay. Je vais dans l'autre sens. Le reste. Je choupe la clé, hein. Pour la clé, je me barre. L'autre fois, j'avais vu que le son était trop fort du jeu. Je l'ai baissé un peu. J'espère que ça va mieux pour vous. Je vérifie un peu là. Audio du bureau. Même il y a combien? Il y a 50%.
Je crois que le jeu était trop fort avant comme je l'avais réglé. Donc là, j'ai un peu rectifié. Désolé, hein, le son du jeu était trop fort. Bon. En fait, je vais m'amener un Fechter, un Fetcher Est, qui va éclater le volcan, tu vois. L'autre fois, j'ai voulu faire une quête marchand, je vais vendre des trucs. Ils m'ont fait des éruptions, ils m'ont tout cramé mes provisions. Enfin, mes livraisons, tout foutu, quoi. Un succès, puis il faut s'asseoir sur une île quand il y a un volcan, mais pas trouvé pour m'asseoir quelque part. Attends, le mec il est là derrière, hein, le ponton. Prendre le risque. Ça devrait être tout près de lui. C'est peut-être lui qui a la quête d'ailleurs. Il n'aura pas la clé, lui, il va me donner un message. Le mec. Walter, c'est lui. Okay. On reste ici. Ah merde, il y a du stuff par terre. Bon. Je vais rester là. Je laisse mon encre quand même. Je vais aller voir Fetcher Bazar là. Captain Fetcher. Stuff par terre, ça, c'est quoi? C'est la clé! Je vais lui parler au mec. Je cherche un train navire. Ils ont repris la mer. Bon vent. Ça y est, le volcan s'énerve, tu vois. Prends ça et je me barre. Je laisse tomber la caisse de thé. Hein. On va aller pas direct. On va pas traîner. L'épave, elle est du côté du Tripass Seaport avant Galéon Greffe, ouais. C'est ça que je voulais là, c'était la clé. Super. Mission accomplie, on a la clé. Donc vous avez la clé pour aller à l'épave direct, ça sert à rien de faire tous les autres trucs. C'est trop loin pour la grappe, ouais. On va partir, voilà le Tripass Seaport, il est là-bas. On va y aller. Je crois que c'est ça là-bas, non? Je suis pas sûr. Ah, il me semble proche ça. Ah, on va aller par là quand même. On va faire la carte. C'est pas le Seaport ça? Ouais, c'est le Seaport. Eh ben, Galéon Greffe là, eh ben, l'autre épave elle est quelque part ici. C'est assez fixe hein, les épaves comme ça. Donc vous avez fait plusieurs fois la quête, vous savez. Vous vous souvenez où vous étiez, c'est facile. Normalement je devrais passer niveau 5 en une fois. On est déjà 2. Et si on n'est pas 5, eh ben, on achète une caisse ou deux de ressources à la marchande. Ça nous fait monter niveau 5. C'est facile. C'est la quête la plus facile pour faire monter le marchand niveau 5. En une fois. Par contre, l'épave tout seul, ça va être chaud hein, quand même. Hein, parce que ça prend du temps à faire sortir tout le loot. Absolument personne dans le secteur. Ça, c'est le risque. J'en ai fait pas mal dans les eaux calmes. Voyons, on voit les trucs eh ben, où il y a les oiseaux là-bas, les mouettes, c'est l'épave. Ouais, pas loin de Galerne. Hein. On peut même bifurquer un peu à droite. Comme ça. Ça tend bien. Oui, l'horizon, c'est ça important. Beaucoup de brouillard en plus. On est vraiment tout près de l'avant-poste. Je vais vérifier la carte.
Il n'y a pas de Reaper, déjà, c'est déjà une bonne chose. Le Reaper 5, c'est embêtant. Je dévie, hein. Je dévie la croix un peu plus à droite. On a le bon cap, c'est le cap comme je suis là. Nord-nord-ouest. Nord-nord-ouest, c'est bon. Nord-nord-ouest. Oui, c'est qu'on dévie chaque fois. C'est à gauche, là. C'est plein noir, maintenant. Vague. C'est par là que peut venir le danger. Bon, le nom loi bazar là. Le joyau de la couronne. Joyau de la couronne. Trop marrant. Je vois plus mes oiseaux, moi, attends. Ils sont distraits. Ils sont devant, non? Je vois pas bien. Ah, ils sont là. Ah, il y a plus de sens qu'on ne voit pas bien du tout avec ces nuages de saloperies. Je tourne trop. On est terminé. Mes antidouleurs plutôt. Oh. Les huîtres. On ne voit plus rien. On était complet parce que je suis touché. N'oubliez pas, ça devrait être tout près là. C'est pas passé. Je ne vois plus. Hein. Ah, c'est emmerdant. Ils sont là devant. Ça va. Je ne l'ai pas dépassé. J'avais peur. Voilà, je les ai emmenés. Je reste vite au focus dessus. À droite. Bon, c'est bon. Ah, c'est bon. On va déjà bord chercher le manifeste. Première plongée sans la clé. Le manifeste. Pas dans la vigie, parce que des fois c'est dans la vigie, hein, c'est vicieux. Il est pas près du gouvernail. Et on peut aller au fond de Calal. Joyeux de la couronne, c'est notre épave, les amis. J'avais dit, hein. On va prendre de la bouffe. Oh merde, y a rien d'intéressant. Un baril d'explosifs. Intéressant, ça. Caisse de fruits. Baril d'explosifs aussi. Derrière là. Hein.
celui-là. Ça vaut cher. Il peut vous autodétruire aussi. Il manifeste là. Il est pas là? Ah oui. Ah, il est là le monsieur, ça va. Mais bon. Bon, ça va voir. Sors, 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 sors. Sors avant de mourir. Si j'ai un requin, je suis mort. Grade 5, manifestez-vous qui disait, vous voyez? C'est ça que je voulais gagner. C'était le grade 5 de manifeste. Oh là là, je suis presque mort. Ah, c'est. Oh putain, il était derrière moi le requin, t'as vu? Salopard. Il faut flipper, hein. Ouais, ça est. Pas bien banane, mais. Hein. Ouais, j'ai pas de belles bouffes. Une bagarre ou quoi? Y'a qu'un éclair qui pourrait me tuer là, ou alors quelqu'un qui me snipe dedans. Le manifeste, ça c'est très précieux. Ça vaut cher. Pièce de fruits, on verra après. Ah, j'ai des bons fruits là, attends. Ouais, ça c'est mieux. Ça c'est même encore mieux. Ok. Donc la cale c'est fait. On va faire cabine du capitaine. On prend 5 minutes à vider quand même. Hein. Croisons les doigts. Ça prend du temps. Hein. Ça c'est bien. Comment tout ça va nous monter niveau 5? Voilà. On s'est déjà étouffé. Ça va être dur, j'ai pas de... pas vraiment de la bonne bouffe. Va peut-être me revenir une deuxième fois les gars. On va soulever mais on va pas le prendre. Elle manque, ça nourrit bien son homme quand même. Très raffiné. On n'est même pas niveau 4, les gars. Voilà, ça va être chaud quand même. Pas sûr de monter niveau 5, ils ont dû m'énerver quelque chose. Deux tomates après, puis j'ai plus de bouffe. Juste, hein, les gars. J'ai pas travaillé la bouffe. Ah, il est coincé. Il est coincé, il est où? On va remonter avec le bateau des morts. Quoique, ça risque d'être juste quand même. Ah, je vais mourir un millimètre là. Y a pas de requin, ça va, mais j'y crois pas de trop.
vite, il est derrière moi. Non mais le requin, il est là. Manger quelque chose, mais il y a de la bouffe ici. En plus, j'ai amené le truc, moi. Voilà, au baron. Et que le baron nous attend. Toujours assez de bananes ici. 31. Encore 12 trucs. Encore 5. Tant pis, j'aurais plus rien. Mais... je vais en racheter une de caisse de fruits. Ah bah non, quand je l'ai trouvé, ça marchera plus. On est trop vite là. J'ai dépassé le baron avec mes conneries. Ah, tout seul, il faut tout faire, c'est chiant. C'est pas géré. Hein. Ah, je me stresse pour rien. Pas grave, ça va aller, ça va aller. On est tranquille. Pas de danger imminent. Se remettre comme il faut. Une caisse de bois, une caisse de boulet, ça devrait lui faire le niveau 5. Bon, voilà deux, on a un qui range, l'autre qui navigue. Bon. Comme ça, on arrive à l'avant-poste. Zach arrive. J'ai rappelé Zach, je crois qu'il est en train d'arriver. Maintenant qu'il s'est connecté. C'est ça aussi. Oui. Ah ben voilà, il arrive, je crois. Il peut acheter un ou deux trucs. Je suis mis dans le Discord si jamais il arrive. Vous entendez pas ça, que c'est normal, c'est parce que lui il parle pas. Il est timide. Pas comment là, ouais. J'achète deux caisses, ça devrait faire passer le niveau 5. Oh mais il y en a une là. Ah mais il y en a un là. Caisse de bois, caisse de boulet. Il reste à acheter. Bon, pas ça, je vais faire le magasin. Attendez, je suis comment là? Il me reste un chouïa à acheter. Magasin, ressources.
C'est pour une caisse de stockage. Voilà, niveau 5 les gars. C'est pas beau ça? Il y a un mec là-bas. Ah, Zach, t'as intérêt à t'amener parce que je veux profiter de la vente. Ah, mais... On va harponner déjà. Il arrive, il va arriver d'un moment à l'autre. Ah voilà, ça c'est bon. On peut vendre. Quand il a fait ça, c'est que c'est bon. On peut vendre. Zach va profiter du loot. Grosse miloute. Ah, il suit le compteur. Bon, je vais faire le tour de l'avant-poste avec ma caisse de stockage. J'ai plus de bouffe, j'ai plus rien. J'ai vendu une caisse de fruits. Il y a aussi des caisses devant le vendeur qu'on peut récupérer. Un petit tour à l'avant-poste pour refaire des ressources parce que ça c'est un peu compliqué. Il est là-bas derrière, il est caché derrière les rochers. On va baisser l'émissaire 5 si tu veux, Zach. Tu m'entends? Oui, viens, viens baisser l'émissaire. L'ai vu, je l'ai vu le bateau. Il est caché derrière les rochers. Je crois qu'il attend qu'on parte pour... faire le plein parce que j'avais plus du tout de bouffe alors. J'ai déjà pris tout ça. Ouais, ça fait un bon niveau, hein. On avait fait l'autre fois. Ah oui, attends. On va voter le truc là.
Oh, ah, j'ai pas dévoté. T'as voté quelque chose, toi? J'ai baissé l'émissaire. T'as baissé l'émissaire? J'ai oublié, moi. J'ai oublié de baisser. C'est moi qui avais pas baissé. Quel con! Je dis à Zach de baisser, c'est moi qui baisse pas. Voilà, les amis, c'est ainsi que c'est terminé. On va voter Reaper. Comment non? Ah, et on va se barrer. On va faire le grand plongeon. Les amis, j'espère que cet épisode vous a plu pour le marchand. Donc vous avez vu comment faire un émissaire 5 de marchand en une fois. Et j'espère que ça vous a plu. Et à bientôt. Ciao, ciao. Je coupe la vidéo.